Roxane Lemaire était une infirmière expérimentée, connue pour son dévouement et sa compétence. Lorsqu'elle reçut l'offre d'emploi pour s'occuper d'un enfant en état végétatif dans l'imposante demeure Beauchamp, en périphérie de Paris, elle hésita, mais le salaire généreux et l'opportunité de travailler dans un environnement aussi luxueux étaient tentants. En arrivant à la demeure, Roxane fut impressionnée par sa grandeur. Le bâtiment était de style néoclassique, avec d'imposantes colonnes, entourées de vastes jardins méticuleusement entretenus. L'atmosphère était élégante, mais avait un air quelque peu mélancolique. Roxane prit une grande inspiration et entra, accueillie par Étienne Beauchamp, un homme élégant aux cheveux gris et au regard fatigué. Il lui souhaita la bienvenue avec un sourire chaleureux, mais ses yeux, bien que gentils, révélaient une profonde tristesse. Bienvenue, Roxane. Je suis Étienne, le père de Mathis. Nous vous remercions d'avoir accepté le travail, dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Ah, c'est un honneur d'être ici, monsieur Beauchamp. Je ferai de mon mieux pour m'occuper de votre fils, répondit Roxane, essayant de paraître confiante. Étienne guida Roxane à travers les couloirs ornés d'œuvres d'art et de meubles anciens. Les murs étaient ornés de portraits de famille, et la douce lumière des lustres dorés créait une atmosphère paisible mais pleine de secrets. Roxane se sentit petite face à l'imposance des lieux, mais sa détermination était forte. Ils arrivèrent dans la chambre de Mathis, un enfant qui semblait si petit et fragile au milieu du grand lit. Sa peau était pâle, presque translucide, et il était relié à divers équipements médicaux surveillant ses fonctions vitales. Roxane ressentit une pointe d'empathie et de détermination. Son expérience lui disait que la situation était grave, mais elle était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour aider. « Ah, voici mon fils, Mathis, » dit Étienne, sa voix chargée d'émotion. « Il a été notre miracle, mais maintenant ?» Il se tut, avalant difficilement sa salive, tandis qu'il regardait son fils avec un mélange d'amour et de douleur. Roxane posa une main sur l'épaule d'Étienne, essayant de le réconforter. « Je vais m'occuper de lui comme s'il était mon propre fils, monsieur Beauchamp, » dit Roxane, et Étienne lui sourit tristement. Roxane évalua rapidement la situation et suggéra que le docteur Renard, un médecin spécialiste en pédiatrie, soit appelé pour examiner Mathis. Le docteur Renard était un homme d'âge mûr, au visage austère, mais ses yeux brillaient avec l'intensité d'un jeune praticien. Il avait des cheveux grisonnants et portait des lunettes à monture fine, qui accentuaient son expression sérieuse et méticuleuse. Il arriva rapidement à la demeure, où il fut accueilli par Roxane et Étienne avec un sourire inspirant confiance, bien que son regard portait une ombre de préoccupation. La demeure Beauchamp, un édifice de style néoclassique, était imposante et élégamment décorée. Les couloirs étaient ornés d'œuvres d'art racontant l'histoire de la famille. L'ambiance était à la fois majestueuse et intimidante. Le docteur Renard entra dans la chambre de Mathis, une pièce spacieuse et confortable, au ton de bleu et de blanc, décorée de jouets et de livres pour enfants, créant un contraste avec la gravité de la situation. Roxane, bien que nerveuse, essaya de garder son calme, observant l'examen avec attention. Elle prenait des notes et répondait aux questions du médecin avec précision, son dévouement inébranlable. Pendant qu'il examinait Mathis, le docteur Renard garda une expression sérieuse, mais finalement se tourna vers eux avec un sourire rassurant, comme s'il voulait apaiser la tension dans l'air. Roxane observa son visage, cherchant le moindre signe d'espoir. « Mathis est un combattant », commença le docteur Renard, son ton sérieux mais doux. « Il est stable pour le moment, mais nous devrons le surveiller de près. Je vais ajuster le traitement et recommander une routine pour maintenir sa santé en ordre. » Ces mots apportèrent un soulagement immédiat à Roxane et Étienne. Le père, qui tenait la main de son fils, soupira profondément, comme s'il retenait son souffle depuis le début de tout cela. La chambre, qui semblait auparavant oppressante, semblait maintenant un peu plus légère. « Merci, docteur. C'est un soulagement de savoir qu'il est entre de bonnes mains, » dit Étienne, sa voix tremblante d'émotion. Il regarda Roxane, son regard rempli d'espoir. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour aider Mathis. Roxane sourit, se sentant plus confiante dans sa nouvelle position. Malgré les incertitudes, elle ressentit une détermination renouvelée. Elle comprit que la demeure était plus qu'un simple emploi, c'était une mission impliquant la protection d'un jeune garçon innocent. Nous le ferons ensemble, monsieur Beauchamp, répondit Roxane avec fermeté. Ils ont parlé pendant un certain temps, discutant des soins nécessaires et des recommandations du médecin.
Pendant cette conversation, Roxane a remarqué le grand tableau qui ornait le mur de la chambre. C'était un portrait de Matisse et de sa mère, Marguerite. L'image, riche en détails, montrait une scène sereine, mais les yeux de Marguerite semblaient porter une profonde tristesse. Le contraste entre la scène paisible et les yeux troublés de Marguerite laissait Roxane mal à l'aise. Matisse est fort. Il a une chance de s'améliorer, Roxane. Nous sommes entre de bonnes mains, dit Étienne, lui souriant, essayant de se convaincre que tout irait bien. Roxane sourit en retour, mais ses pensées étaient partagées entre l'espoir et la peur. Le docteur Renard a ajusté le traitement et a donné des instructions claires sur la marche à suivre dans les prochains jours. Il a parlé de l'importance de maintenir Matisse confortable, l'encourageant à s'engager dans des activités légères comme écouter de la musique ou regarder des dessins animés pour stimuler son bien-être. Pendant qu'il parlait, Roxane a remarqué une lueur d'espoir dans les yeux d'Étienne, mais il y avait quelque chose de plus là, une ombre de doute qu'il essayait de cacher. Roxane voulait croire que tout irait bien, mais quelque chose dans la demeure la rendait inquiète. Après l'examen, Roxane a réfléchi à la situation en regardant par la fenêtre de la chambre. La vue sur les jardins était magnifique, avec des fleurs colorées et des arbres majestueux, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de sombre caché sous la surface. Elle se demandait ce qui pourrait encore être caché dans cette demeure. Les nuits à la demeure Beauchamp étaient mystérieuses, avec des couloirs longs et silencieux, recouverts de tapis luxueux qui étouffaient le moindre bruit. Roxane, assise aux côtés de Matisse, surveillait la santé de l'enfant avec un soin méticuleux. Elle se retrouvait souvent plongée dans des pensées profondes, tandis que la demeure autour d'elle semblait s'envelopper d'ombre. Quelque chose la maintenait sur ses gardes, une sensation inexplicable d'inquiétude qui imprégnait l'atmosphère. La chambre de Matisse était vaste, décorée avec des thèmes pour enfants qui apporteraient normalement de la joie, mais qui semblaient maintenant légèrement perturbants. Les murs, peints dans des tons doux de bleu et de vert, étaient ornés de peintures d'animaux mignons, mais à la lumière de la nuit, ces détails prenaient une aura étrange. Roxane sentit un frisson lui parcourir l'échine en regardant les rideaux danser doucement au vent. L'ambiance, bien qu'initialement accueillante, commençait à ressembler davantage à un décor de film d'horreur. « Je sens que quelque chose ne va pas ici, mais je ne peux pas identifier ce que c'est », murmura Roxane pour elle-même, son cœur battant plus vite que d'habitude. Soudain, les lumières dans le couloir se mirent à clignoter et un vent glacial envahit la pièce, malgré toutes les fenêtres étant fermement closes. Roxane regarda autour d'elle, essayant de trouver la source du vent, mais tout semblait en ordre. Elle se leva pour vérifier les équipements médicaux de Matisse, mais son attention fut détournée par un son bas et étouffé, comme un chuchotement, semblant venir des murs. « Qui est là ?» demanda Roxane à voix haute, essayant de cacher sa peur dans sa voix. Il n'y eut pas de réponse, mais le chuchotement continua, semblant murmurer son nom. Roxane sentit son cœur battre la chamade. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passait, mais la chambre était vide, à l'exception de Matisse, qui restait inconscient. Roxane inspira profondément, essayant de se calmer. Elle regarda Matisse, qui semblait paisible, mais quelque chose tomba sous le lit, faisant un bruit qui fit sursauter Roxane. Elle se baissa pour ramasser l'objet, voyant une petite poupée en porcelaine avec un regard perturbant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Se demanda Roxane à voix haute, son cœur battant fort. Elle tint la poupée un moment, sentant un frisson parcourir son corps, avant de la mettre de côté et de revenir son attention sur Matisse. C'est alors que Roxane remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Les yeux de Matisse étaient ouverts, fixés sur elle. Son corps restait immobile, mais ses yeux semblaient communiquer quelque chose. Roxane ressentit un frisson de peur. « Matisse, dois-je réveiller ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Les yeux de Matisse ne bougèrent pas, mais des larmes commencèrent à couler de son visage, reflétant un mélange d'émotions que Roxane ne pouvait pas comprendre. Elle resta figée, ne sachant que faire. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et le docteur Renard entra, son visage pâle et inquiet. « Que se passe-t-il ici, Roxane ? » demanda-t-il, sa voix tendue. Roxane raconta rapidement ce qui s'était passé, mais le docteur Renard secoua simplement la tête, son visage sérieux. « Ça doit être un reflet. Vérifions le sérum et assurons-nous que tout est en ordre », dit-il, bien qu'il semblât mal à l'aise. Sa posture était raide, comme s'il cachait quelque chose.
Pendant qu'il examinait Matisse, Roxane ne pouvait pas chasser le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout dans cette demeure. Elle regarda autour d'elle dans la chambre, remarquant comment les ombres semblaient bouger, comme si quelque chose rôdait dans les coins. La demeure, qui semblait autrefois majestueuse, semblait maintenant pleine de secrets et de dangers cachés. « Quelque chose ne va pas ici, je le sens », pensa Roxane, son cœur serré. Elle regarda le docteur Renard, mais il évita son regard, ce qui la rendit encore plus méfiante. La chambre, qui avait autrefois semblé être un endroit sûr, semblait maintenant remplie de menaces invisibles. Roxane sentit son cœur battre plus vite alors qu'elle se préparait à ce qui allait suivre. Les nuits à la demeure Beauchamp étaient silencieuses et imprégnées d'une atmosphère lourde. Dans les jours qui suivirent, Roxane continua de s'occuper de Matisse, mais une sensation de malaise persistait dans l'air. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas définir quoi. Chaque fois qu'elle était seule avec Matisse, elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre dans la demeure, quelque chose qui essayait de communiquer avec elle. Le docteur Renard continuait de rendre visite régulièrement et, à chaque visite, il semblait de plus en plus préoccupé. Roxane remarqua qu'il évitait de regarder dans les yeux de Matisse, ce qui la rendait encore plus inquiète. Il marmonnait souvent sur la complexité du cas et sur la nécessité d'une surveillance constante, mais évitait de discuter des détails. Cependant, Roxane ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il cachait quelque chose. Une nuit, alors que Roxane était assise aux côtés de Matisse, le vent froid revint et cette fois, il apportait avec lui un murmure qui semblait venir des murs. La chambre de Matisse était grande, avec de grandes fenêtres qui laissaient la lune éclairer doucement la pièce. La brise fraîche qui s'engouffrait par les interstices des fenêtres fit frissonner Roxane. Roxane, le murmure semblait lointain, mais distinct. Roxane sentit les poils de sa nuque se hérisser. Elle regarda autour d'elle, voyant la poupée de porcelaine qu'elle avait trouvée auparavant, maintenant positionnée de manière étrange, comme si elle la fixait. Effrayée, elle se leva rapidement, mais trébucha sur quelque chose par terre. En baissant les yeux, elle vit un petit cahier couvert de poussière. « Qui est là ?» demanda Roxane, sa voix tremblante. Elle avait le sentiment d'être observée. L'atmosphère autour d'elle semblait encore plus sinistre, comme si les ombres bougeaient. Elle prit le cahier et, en l'ouvrant, vit qu'il s'agissait d'un journal intime, rempli d'entrées écrites par une femme nommée Marguerite. Les premières pages décrivaient une vie heureuse, mais bientôt les entrées devinrent sombres, décrivant des événements étranges et inexplicables qui commençaient à se produire à la demeure Beauchamp. « Quelque chose ne va pas dans cette maison », lut Roxane à voix haute, d'une des pages du journal. « Il y a quelque chose dans les couloirs, quelque chose qui ne veut pas que je parte. » Roxane continua à lire, son cœur battant fort. Les entrées suivantes parlaient de l'enfant de la famille, nommé Matisse, qui commençait à présenter des comportements étranges. Marguerite soupçonnait que quelque chose avait possédé le garçon, mais tout le monde autour d'elle pensait qu'elle devenait folle. « Je dois protéger Matisse, mais je ne sais pas comment. » « Le docteur Renard dit qu'il a besoin de traitement, mais je sens qu'il ment », écrivit Marguerite, dans l'une des dernières entrées. Roxane referma le journal, son esprit en ébullition. Elle devait en savoir plus sur Marguerite et sa connexion avec Matisse. Déterminée, elle se rendit à la bibliothèque de la demeure, où elle savait qu'il y avait des archives anciennes de la famille Beauchamp. La bibliothèque était vaste, avec des étagères hautes remplies de livres anciens. L'odeur du papier vieilli se mêlait au parfum des roses venant du jardin à côté. L'éclairage était doux, créant des ombres dansantes qui donnaient à l'endroit une atmosphère mystérieuse. Roxane commença à fouiller les archives, cherchant des informations sur Marguerite. Elle découvrit que Marguerite était la mère de Matisse, mais qu'elle était morte mystérieusement quelques années auparavant. Les archives montraient que Marguerite avait été déclarée mentalement instable avant sa mort et que le docteur Renard était le médecin responsable de son traitement. Roxane sentit une pointe de méfiance envers le docteur Renard. Quelque chose clochait. Alors qu'elle continuait à enquêter, elle trouva un vieux livre qui décrivait des rituels de protection et d'exorcisme. Roxane réalisa que Marguerite avait tenté de protéger Matisse de quelque chose de maléfique. Soudain, Roxane entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Étienne, qui la regardait d'un air étrange. « Que fais-tu ici, Roxane ? » demanda-t-il, sa voix froide. Roxane lui montra le journal et le livre, espérant qu'il se joindrait à elle dans la quête de réponses.
Mais, à son horreur, Étienne se contenta de sourire, un sourire effrayant qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Oh, ma chère Roxane, » dit-il en s'approchant d'elle. « Tu n'aurais pas dû voir ça. » Avant que Roxane ne puisse réagir, Étienne attrapa son bras et la traîna hors de la bibliothèque. Roxane se débattit, mais il était plus fort. Elle ressentit un frisson de peur, réalisant qu'elle était en danger. Roxane fut poussée dans une petite pièce sombre qui semblait être un dépôt abandonné. Étienne ferma la porte derrière lui, la laissant seule avec ses pensées. L'endroit était rempli de boîtes empilées et de vieux meubles couverts de poussière. Roxane regarda autour d'elle, cherchant une issue ou quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour se protéger. L'atmosphère était étouffante, l'air chargé de l'odeur de moisi et de vieux bois. En fouillant dans les boîtes, elle trouva plus d'objets appartenant à Marguerite, y compris de vieilles photos, des lettres jaunies et un petit pendentif en forme de cœur. À l'intérieur du pendentif, il y avait une photo de Marguerite et de Matisse. Roxane ressentit une forte connexion avec la femme qui avait tant tenté de protéger son fils. « Je ne vais pas abandonner, » Matisse murmura Roxane en serrant le pendentif. Elle se sentait empêtrée dans une intrigue qu'elle peinait à comprendre, mais elle savait qu'elle devait se battre. Soudain, Roxane entendit un bruit à l'extérieur. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Le cœur battant, elle se prépara à se défendre, mais se détendit en voyant qu'il s'agissait d'Annette, la gouvernante de la demeure, devenue une amie de confiance. Annette avait un visage amical, mais il était maintenant marqué par l'inquiétude. « Roxane, que se passe-t-il ? » « J'ai vu Monsieur Beauchamp vous traîner ici, » dit Annette, sa voix tremblante. Roxane expliqua rapidement ce qu'elle avait découvert et sa suspicion selon laquelle Étienne et le docteur Renard étaient impliqués dans quelque chose de sinistre. Annette écouta attentivement puis acquiesça, son expression devenant sérieuse. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche ici. Nous devons partir d'ici et sauver Matisse, » déclara Annette, déterminée. La chambre semblait moins oppressante maintenant, avec Annette à ses côtés, mais Roxane savait qu'elle était loin d'être en sécurité. Annette aida Roxane à sortir de la chambre, et ensemble elles se précipitèrent vers la chambre de Matisse. Le couloir était sombre et silencieux, créant une atmosphère de suspense. Les ombres sur les murs semblaient bouger, comme si elles suivaient les femmes. Le vent soufflait à travers les fenêtres, faisant flotter les rideaux et augmentant le sentiment d'inquiétude. Lorsqu'elles arrivèrent dans la chambre, elles trouvèrent Matisse agité, les yeux grands ouverts de peur. « Tout va bien, Matisse. Nous allons te sortir d'ici, » a dit Roxane, essayant de calmer le garçon. Son cœur se serrait en voyant l'enfant effrayé et elle ressentit une vague de détermination. Elles réussirent à faire sortir Matisse du lit et commencèrent à se diriger vers la sortie. Alors qu'elles descendaient le grand escalier, elles entendirent des voix. « Elle ne peut pas sortir d'ici en vie. » « Elle sait trop de choses, » disait le docteur Renard, sa voix froide. « Et que ferons-nous avec le garçon ?» demanda Étienne, hésitante. Roxane sentit un frisson en réalisant qu'il était prêt à tout pour protéger leur secret. Elle et Annette se cachèrent dans une pièce à proximité, essayant de trouver un plan. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas sortir par la porte d'entrée, alors elles décidèrent d'essayer une sortie par les jardins. La pièce où elles se cachèrent était un salon luxueux, décoré de meubles en velours et de peintures classiques. Le feu dans la cheminée était éteint, mais l'atmosphère conservait encore la chaleur résiduelle, offrant un contraste avec la froideur des événements en cours. Roxane regarda Annette, ses yeux reflétant l'anxiété qu'elle ressentait. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici, » chuchota Annette, sa voix tremblante. Roxane acquiesça, réfléchissant à la façon dont la demeure, qui semblait si majestueuse autrefois, était maintenant devenue un lieu de terreur. Elle ressentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant que, même au milieu du luxe, elles étaient en danger. La bibliothèque était vaste, avec de hautes étagères remplies de livres anciens et poussiéreux. La douce lumière des lampes créait des ombres dansantes qui donnaient à l'endroit une atmosphère mystérieuse. Le parfum de papier vieilli se mêlait à celui des roses venant du jardin voisin, créant une sensation de mélancolie. Roxane commença à fouiller les archives, cherchant des informations sur Marguerite. Elle découvrit que Marguerite était la mère de Matisse, mais qu'elle était décédée mystérieusement quelques années plus tôt. Les archives indiquaient que Marguerite avait été déclarée mentalement instable avant sa mort et que le docteur Renard était le médecin responsable de son traitement.
Roxane ressentit une pointe de méfiance envers le docteur Renard. Quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle continuait son enquête, elle trouva un vieux livre décrivant des rituels de protection et d'exorcisme. Le livre était épais, avec une couverture de cuir usé et des pages jaunies. Roxane réalisa que Marguerite avait tenté de protéger Mathis de quelque chose de maléfique. « Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit à ce sujet ?» murmura Roxane, son cœur battant fort. Elle ressentit un mélange de colère et de peur en réalisant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire que ce qu'elle imaginait. Soudain, Roxane entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Étienne, qui la regardait avec une expression étrange. L'air dans la bibliothèque semblait plus froid, et la lumière semblait plus faible. « Que fais-tu ici, Roxane ?» demanda Étienne, sa voix froide. Roxane lui montra le journal et le livre, espérant qu'il se joindrait à elle dans la quête de réponses. Mais, à son horreur, Étienne se contenta de sourire, un sourire effrayant qui ne touchait pas ses yeux. « Ah, chère Roxane, dit-il en s'approchant d'elle. Tu n'aurais pas dû voir ça. » Roxane sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le sourire d'Étienne était empreint de malveillance, et ses yeux étaient dépourvus de toute émotion humaine. « Mais pourquoi ? Je veux juste aider Mathis !» s'exclama Roxane, sa voix tremblante. « Ce n'est plus à propos de Mathis. C'est à propos de ce qui est au-delà de lui, répondit Étienne, sa voix basse et menaçante. Il avança, et avant que Roxane ne puisse réagir, il attrapa son bras et l'entraîna hors de la bibliothèque. Roxane lutta, mais il était plus fort. Elle ressentit un frisson de peur, réalisant qu'elle était en danger. Le couloir qu'ils traversaient était éclairé par des lumières faibles, créant des ombres effrayantes qui semblaient guetter. Roxane regarda Annette, qui était dans un coin, son visage pâle de peur. « Aide-moi, Annette !» cria Roxane, mais Étienne se contenta de rire, un son cruel qui résonna dans les couloirs. « Tu ne comprends pas, Roxane. C'est plus grand que nous deux. Tu n'aurais jamais dû venir ici, dit Étienne, sa voix emplie de colère et de désespoir. Le cœur de Roxane battait vite alors qu'elle tentait de se dégager de son emprise. Enfin, ils arrivèrent dans une petite pièce qui ressemblait à une sorte de débarras. Étienne poussa Roxane à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. La pièce était remplie de boîtes empilées et de vieux meubles, l'air était lourd de poussière et de moisissure. « Qu'est-ce qu'il cache ?» pensa Roxane, son cœur rempli de peur et d'incertitude. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, mais se rendit compte qu'elle était prise au piège. Elle savait qu'elle était en danger, mais elle savait aussi qu'elle devait découvrir la vérité sur ce qui se passait dans la demeure Beauchamp. Soudain, Roxane entendit un bruit de l'extérieur. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Le cœur battant la chamade, elle se prépara à se défendre, mais se détendit en voyant qu'il s'agissait d'Annette, la gouvernante de la maison, devenue une amie de confiance. Annette, avec ses yeux doux mais maintenant empreints d'une grande préoccupation, regarda Roxane avec urgence. « Roxane, que se passe-t-il ? J'ai vu M. Beauchamp vous traîner ici, dit Annette, sa voix tremblante. » Roxane expliqua rapidement ce qu'elle avait découvert et sa suspicion selon laquelle Étienne et le docteur Renard était impliqué dans quelque chose de sinistre. Annette écouta attentivement, les yeux écarquillés de peur, puis acquiesça, son expression devenant sérieuse. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait ici. Nous devons partir et sauver Mathis, dit Annette, sa voix déterminée. Annette aida Roxane à sortir de la pièce, et ensemble, elles coururent vers la chambre de Mathis. Le couloir était sombre et silencieux, créant une atmosphère de suspense. Les ombres sur les murs semblaient s'animer. Le vent soufflait à travers les fenêtres, faisant danser les rideaux, augmentant le sentiment de malaise. Lorsqu'elles arrivèrent dans la chambre de Mathis, elles trouvèrent le garçon agité, les yeux grands ouverts de peur. « Tout va bien, Mathis. Nous allons te sortir d'ici, » dit Roxane, essayant de calmer le garçon. Son cœur se serrait en voyant l'enfant effrayé, et elle ressentit une détermination à le protéger. Elles parvinrent à faire sortir Mathis du lit et commencèrent à se diriger vers la sortie. Alors qu'elles descendaient le grand escalier, elles entendirent des voix en bas. « Elle ne peut pas sortir d'ici vivante. »« Elle en sait trop, » disait le docteur Renard, sa voix froide et calculatrice. « Et que ferons-nous du garçon ?» demanda Étienne, hésitant, sa voix tremblant d'incertitude. Roxane sentit un frisson en réalisant qu'il était prêt à tout pour protéger leur secret.
Elle et Annette se cachèrent dans une pièce voisine, essayant de concocter un plan. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas sortir par la porte d'entrée, alors elles décidèrent de tenter une sortie par les jardins. La pièce où elles se cachaient était un salon luxueux, décoré de meubles de velours et de peintures classiques. La cheminée était éteinte, mais l'ambiance conservait une certaine chaleur résiduelle, contrastant avec la froideur des événements qui se déroulaient. Roxane regarda Annette, ses yeux reflétant l'anxiété qu'elle ressentait. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici », chuchota Annette, sa voix basse mais empreinte d'urgence. Roxane acquiesce, réfléchissant à la manière dont la demeure, autrefois majestueuse, s'est transformée en un lieu de terreur. Un frisson parcourt son échine en réalisant que, même au milieu du luxe, elles sont en danger. Les ombres des rideaux semblent danser au rythme de leurs préoccupations, et le temps semble s'étirer alors qu'elles planifient leur évasion. Annette aide Roxane à sortir de la chambre, et ensemble, elles courent vers la chambre de Mathis, déterminées à le sauver. Le couloir est sombre et silencieux, seulement éclairé par la lueur de la lune qui entre par les hautes fenêtres, créant une atmosphère de suspense et de peur. Les ombres sur les murs semblent bouger comme si elles étaient vivantes, suivant leurs pas. Le vent souffle à travers les fenêtres, faisant danser les rideaux, intensifiant le sentiment d'anxiété qu'elles ressentent toutes les deux. Lorsqu'elles atteignent la chambre de Mathis, elles le trouvent agité, les yeux grands ouverts de peur. La chambre est spacieuse, avec une décoration luxueuse, mais elle semble maintenant oppressante, comme si l'environnement était conscient des dangers imminents. « Tout va bien, Mathis. Nous allons te sortir d'ici, » dit Roxane, tentant de calmer le garçon, sa voix tremblante mais déterminée. Elle ressent une vague de compassion et de détermination en voyant le garçon si effrayé. Roxane sait qu'elle doit agir rapidement pour le protéger. Elles réussissent à sortir Mathis du lit et commencent à se diriger vers la sortie. En descendant le grand escalier, décoré de tableaux et de lustres élégants, elles entendent des voix résonner dans le hall. « Elle ne peut pas sortir d'ici vivante. »« Elle en sait trop, » dit le docteur Renard, sa voix froide et menaçante. « Et que ferons-nous du garçon ?» demande Étienne, hésitant, sa voix tremblante d'incertitude. Roxane sent un frisson en réalisant qu'ils sont prêts à tout pour protéger leur secret. Elle et Annette se cachent dans une pièce voisine, une salle de séjour luxueusement décorée, tentant de réfléchir à un plan. Les murs sont doublés de soie, et les meubles sont en velours, mais l'ambiance, qui devrait être confortable, semble étouffante. Elles savent qu'elles ne peuvent pas sortir par la porte d'entrée, alors elles décident de tenter une sortie par les jardins. « Nous devons sortir d'ici avant qu'ils ne nous trouvent », chuchota Annette, sa voix basse mais empreinte d'urgence. « Nous devons être rapides », convient Roxane, son cœur battant rapidement. Elle regarde Mathis, qui est dans ses bras, et ressent une vague de détermination. Roxane et Annette se faufilent dans le couloir, essayant de ne pas faire de bruit. Elles transpirent, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause de la peur qu'elles ressentent. Les couloirs, qui semblaient autrefois grandioses, ressemblent maintenant à des labyrinthes menaçants. Chaque bruit, chaque ombre semble être un ennemi potentiel. Elles arrivent enfin au jardin, qui sont vastes et luxuriants, avec de grands arbres et des buissons soigneusement taillés. L'air frais est un soulagement, mais il porte aussi une odeur de danger, comme si la nature était consciente du mal qui rôdait. Roxane regarde le ciel, couvert de nuages qui cachent la lune, et frissonne. « Allons-y, nous devons continuer », dit Roxane, sa voix basse mais ferme. Elle court à travers les jardins, essayant d'atteindre les portes. Les ombres des arbres semblent bouger, comme si elles essayaient d'empêcher leur fuite. Le cœur de Roxane bat rapidement, mais sa détermination est plus forte que la peur. Alors qu'elles courent, elles entendent des pas derrière elles. C'est Étienne et le docteur, Renard, qui les poursuivent. Roxane ressent une vague de terreur en réalisant qu'elles sont traquées. « Vite, par ici !» crie Annette, en tirant Roxane vers un petit raccourci. Elle court à travers les arbres, essayant de se cacher. Les feuilles bruissent autour d'elle, et les branches semblent vouloir les attraper. Elles arrivent enfin aux portes, mais elles sont verrouillées. Roxane sent le désespoir monter, mais elle voit alors une petite porte latérale qui est ouverte. « Par ici !» dit Roxane, en entraînant Annette et Mathis par la porte. Elles sortent sur la route, l'air froid battant leur visage, mais elles ressentent un soulagement en réalisant qu'elles ont réussi à s'échapper. Roxane regarda en arrière, voyant le manoir au loin, et ressentit une vague de tristesse. Elle savait que le pire était encore à venir,
mais elle savait aussi qu'elle devait se battre pour protéger Mathis. Alors qu'elle tentait de s'échapper à travers les vastes jardins du manoir Beauchamp, Roxane trébucha sur quelque chose et tomba. Le gazon était humide et bien entretenu, mais dans un coin oublié se trouvait un ancien cimetière de la famille Beauchamp. Roxane regarda en arrière et vit qu'elle avait trébuché sur une pierre tombale. C'était la tombe de Marguerite, la mère de Mathis. À côté de la tombe, il y avait une petite boîte qui semblait avoir été récemment déterrée. Roxane ouvrit la boîte et y trouva un ensemble de lettres et de documents détaillant les expériences de Marguerite avec une secte sinistre qui avait tenté de prendre le contrôle de la famille Beauchamp. Roxane resta stupefaite. Son cœur battait fort en réalisant que la situation était bien plus sombre que ce qu'elle imaginait. Elle lut rapidement les lettres, qui décrivaient comment Marguerite avait découvert l'implication d'Étienne et du docteur Renard avec la secte, et comment elle craignait pour la sécurité de Mathis. Roxane frissonna en réalisant que le manoir, qui semblait autrefois être un refuge de luxe, était en réalité un lieu de danger. Soudain, Roxane entendit des pas approcher. C'était Étienne, avec une expression féroce et déterminée. « Que fais-tu ici, Roxane ? » demanda-t-il, sa voix emplie de colère. Roxane lui montra les documents, mais il rit seulement, un rire cruel qui fit frissonner Roxane. L'atmosphère autour semblait plus sombre, comme si le jardin lui-même était conscient du mal qui s'y cachait. « Tu crois pouvoir nous arrêter ? La secte a déjà pris le contrôle de cette maison et de nos vies. « Tu ne peux pas nous arrêter, » dit-il, s'approchant d'elle. Sa voix était froide et menaçante, et Roxane sentit son cœur battre de peur. Avant qu'Étienne ne puisse faire quoi que ce soit, Mathis se mit à pleurer, et, à la surprise de tous, une voix douce résonna depuis la tombe de Marguerite, disant « Laisse-les en paix, Étienne ». Étienne se figea, son visage devenant pâle de peur. Le docteur Renard, qui avait suivi Étienne, était tout aussi choqué. L'esprit de Marguerite continua à parler, sa voix douce mais empreinte de détermination. « Tu t'es perdu, Étienne. Mais il est encore temps de te racheter, » dit Marguerite, sa voix remplie de compassion. Étienne se mit à pleurer, s'effondrant à genoux. Il semblait être en conflit, luttant contre ses propres démons intérieurs. L'atmosphère autour semblait se calmer, comme si la présence de Marguerite apportait la paix en ce lieu. Le vent doux chuchotait entre les arbres, créant une sensation de calme. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Tu sais que nous sommes engagés, » murmura le docteur Renard, essayant de le convaincre. « Tais-toi, Renard !» cria Étienne, sa voix remplie de colère et de remords. Roxane regarda Annette, et les deux femmes se regardèrent, essayant de comprendre la gravité de la situation. L'esprit de Marguerite continua à parler, révélant la vérité choquante. « Renard, tu es responsable de tout cela. Tu as essayé de détruire ma famille pour satisfaire ton désir de pouvoir, » accusa la voix de Marguerite. « Maintenant, tu paieras pour tes crimes. » Soudain, le ciel s'assombrit et un orage commença à se former. Le vent soufflait violemment et les éclairs illuminaient le jardin. Roxane et Annette se serrèrent dans les bras, protégeant Mathis, pendant qu'Étienne se relevait, faisant face à Renard. « Tu nous as tout trompé, Renard. Tu seras puni, » dit Étienne, avançant vers lui. L'atmosphère autour semblait vibrer de tension, et Roxane sentit son cœur battre plus vite alors qu'elle assistait au conflit. Les arbres se balançaient violemment, comme si la nature reflétait la bataille qui se déroulait. Les éclairs illuminaient la scène, révélant l'horreur sur les visages des personnes impliquées. Le combat entre Étienne et Renard était féroce, avec chacun luttant non seulement pour le contrôle du manoir, mais aussi pour le destin de leurs âmes. Roxane ressentit un mélange de peur et d'espoir, sachant que l'issue de ce conflit déciderait du destin de tous au manoir Beauchamp. L'atmosphère était agitée. Le vent soufflait violemment, faisant osciller les arbres comme s'ils participaient au conflit. Les ombres projetées par les éclairs formaient des silhouettes effrayantes sur les murs du manoir, tandis qu'Étienne et Renard luttaient de toutes leurs forces. Roxane observait, son cœur battant fort, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Pendant la lutte, Renard révéla sa véritable forme. Il n'était pas juste un simple médecin, mais une créature démoniaque, avec des griffes acérées et des yeux rouges vifs, reflétant sa malveillance intérieure. Roxane regardait horrifiée, mais Étienne continuait à se battre, maintenant avec une force renouvelée, comme si l'esprit de Marguerite lui donnait du courage. « Je ne te laisserai pas détruire ma famille !» cria Étienne,
repoussant Renard en arrière, sa voix remplie de détermination. Le conflit était intense, avec les deux hommes se déplaçant rapidement, comme s'ils dansaient une danse mortelle. Les griffes de Renard brillaient à la lumière des éclairs, alors qu'il attaquait furieusement, mais Étienne, animé par le courage et le besoin de protéger sa famille, se battait avec une férocité surprenante. Roxane et Annette, regardant de loin, tenaient Matisse, essayant de le garder en sécurité. Avec l'aide de l'esprit de Marguerite, Étienne parvint à blesser Renard, qui hurla de douleur, un son qui résonna à travers les jardins. Dans un acte final de courage, Étienne poussa Renard vers la tombe de Marguerite, où son esprit scella la créature pour toujours. L'environnement semblait vibrer de victoire, tandis que le vent faiblissait et que les ombres reculaient. Les éclairs cessèrent, et l'orage commença à se dissiper. L'esprit de Marguerite sourit à Étienne, Roxane et Annette, les remerciant d'avoir sauvé Matisse. Roxane ressentit un soulagement, sachant que la famille Beauchamp était enfin délivrée du mal qui les hantait. « Merci, Étienne », dit la voix de Marguerite, avant de disparaître, sa voix douce et reconnaissante. Étienne tomba à genoux près de la tombe de Marguerite, pleurant. Roxane ressentit de l'empathie pour lui, comprenant qu'il avait été manipulé par Renard, mais qu'en fin de compte, il avait choisi le bon chemin. L'atmosphère autour était maintenant paisible, comme si la paix avait été restaurée. « Maintenant, nous pouvons recommencer », dit Roxane, tendant la main à Étienne, sa voix douce et réconfortante. Elle savait que la bataille avait été difficile, mais elle était déterminée à aider Étienne et Matisse à recommencer. Étienne accepta, regardant Matisse les larmes aux yeux, son expression emplie de remords, mais aussi d'espoir. L'atmosphère était empreinte de promesses d'un nouveau départ, et Roxane sentit que, malgré tout, ils avaient la chance d'être à nouveau heureux. « Nous serons à nouveau heureux, ensemble », dit Annette en souriant, sa voix emplie d'optimisme. Elle était soulagée que le cauchemar soit terminé et qu'ils puissent désormais envisager l'avenir avec espoir. L'environnement semblait être d'accord, avec les arbres se balançant doucement au vent et les oiseaux recommençant à chanter. Le manoir Beauchamp, qui autrefois semblait être un lieu de danger et d'ombre, semblait maintenant être un lieu d'espoir et de renouveau. Roxane, Étienne, Annette et Matisse étaient prêts pour un nouveau départ et l'atmosphère environnante semblait les soutenir, avec le soleil commençant à se lever à l'horizon, illuminant le brillant avenir qui les attendait. Avec Renard vaincu, la tempête commença à se dissiper, comme si la nature retrouvait sa paix. L'esprit de Marguerite sourit à Étienne, Roxane et Annette, les remerciant d'avoir sauvé Matisse et apportant un soulagement à l'atmosphère. Roxane ressentit une vague de tranquillité, sachant que la famille Beauchamp était enfin libérée du mal qui les tourmentait. L'atmosphère environnante, autrefois sombre et menaçante, semblait désormais sereine et accueillante. Le ciel, autrefois chargé de nuages sombres, était maintenant clair, avec des étoiles scintillantes. Le jardin, autrefois un lieu de danger, était désormais un refuge de beauté et de tranquillité. Le vent, qui soufflait violemment, était maintenant une brise légère, murmurant des mots de réconfort. « Merci, Roxane », dit la voix de Marguerite, avant de disparaître, sa voix remplie de gratitude. Étienne tomba à genoux à côté de la tombe de Marguerite, des larmes coulant sur son visage. Roxane ressentit de l'empathie pour lui, comprenant qu'il avait été manipulé par Renard, mais qu'il essayait maintenant de se racheter. « Maintenant, nous pouvons recommencer », dit Roxane, offrant sa main à Étienne, sa voix douce et réconfortante. Elle savait que la bataille avait été difficile, mais elle était déterminée à aider Étienne et Matisse à recommencer. « Nous allons recommencer ensemble, en tant que famille », répondit Étienne, sa voix emplie de remords, mais aussi d'espoir. Il prit la main de Roxane, se levant avec un regard de gratitude. L'atmosphère environnante semblait être d'accord, avec le doux bruissement des feuilles dans le vent et le chant des oiseaux remplissant l'air. Roxane, Annette et Étienne ramenèrent Matisse à la maison, qui semblait maintenant moins menaçante et plus comme un foyer. L'intérieur de la maison, autrefois empli d'ombre et de secrets, semblait maintenant chaleureux et sûr. Roxane ressentit une sensation de paix en voyant Matisse sourire pour la première fois depuis longtemps, son rire remplissant l'atmosphère de joie. « Enfin, nous sommes en paix », dit Annette, sa voix emplie de soulagement. Elle regarda autour d'elle, voyant la maison comme un lieu d'espoir plutôt que de terreur. L'atmosphère environnante semblait rayonner d'une nouvelle vie, comme si elle célébrait la victoire sur le mal. Roxane, Annette et Étienne s'occupèrent de Matisse dans les jours qui suivirent, déterminés à l'aider à se remettre.
L'atmosphère à la maison Beauchamp, autrefois sombre et oppressante, était maintenant remplie de vie et d'espoir. Le jardin refleurissait, avec des fleurs colorées et des arbres luxuriants, tandis que l'intérieur de la maison brillait d'une nouvelle lumière. Le nouveau médecin qu'il avait engagé pour s'occuper de Matisse était une présence calme et attentionnée, apportant une atmosphère de paix à la maison. Sa présence était réconfortante, et il travaillait avec patience et dévouement pour aider Matisse à guérir. La chambre de Matisse, autrefois empreinte de tristesse, était maintenant décorée de dessins joyeux et de jouets, créant un environnement accueillant. Roxane sentait que l'expérience l'avait transformée. Elle avait trouvé un nouveau but, plus fort et plus déterminé qu'auparavant. Annette, quant à elle, était heureuse de voir la famille Beauchamp se rétablir, et elle ressentait un nouvel espoir pour l'avenir. L'atmosphère environnante reflétait cette renaissance, avec les oiseaux chantant joyeusement et le soleil brillant à travers les fenêtres. « Nous allons être heureux à nouveau, Matisse, » dit Roxane, tenant la main du garçon, sa voix douce et déterminée. Matisse sourit, son rire remplissant la pièce de joie. « Nous allons construire un nouvel avenir ensemble, » ajouta Annette, souriant, sa voix pleine d'optimisme. L'atmosphère environnante semblait vibrer de cette nouvelle espérance, avec les arbres se balançant doucement au vent et les fleurs éclosant. L'intérieur de la maison était imprégné d'une nouvelle énergie. Les murs, autrefois sombres, étaient maintenant décorés d'œuvres d'art colorées, et l'air était parfumé du doux parfum de fleurs fraîches. L'ambiance était joyeuse et pleine de promesses, reflétant le nouveau départ de la famille Beauchamp. « Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions être heureux à nouveau, mais maintenant je crois que c'est possible, » dit Étienne, sa voix émue. Il regarda Roxane, Annette et Matisse, les yeux remplis de gratitude. L'atmosphère environnante semblait résonner avec ses sentiments, avec le doux bruissement des feuilles et le chant des oiseaux remplissant l'air. Roxane ressentit une sensation de paix, sachant qu'il avait surmonté les difficultés et était prêt pour un nouveau départ. L'environnement autour d'eux était empli de beauté et de tranquillité, et Roxane savait qu'il avait trouvé un nouveau foyer. « Profitons de cette nouvelle espérance et construisons un avenir meilleur, » dit Roxane, sa voix ferme et déterminée. L'environnement semblait être d'accord, avec le soleil brillant plus fort et l'air rempli de promesses. Alors que Matisse continuait à se rétablir, Roxane commença à réfléchir à Marguerite et à son héritage. L'expérience vécue à la maison Beauchamp avait changé Roxane, l'amenant à trouver un nouveau but. L'environnement autour d'elle semblait plus vibrant, comme s'il était renouvelé après la bataille qu'il avait affrontée. Les arbres étaient verts et luxuriants, et les jardins étaient florissants de couleurs vives. Roxane décida qu'elle voulait faire quelque chose de significatif en hommage à Marguerite, qu'elle sentait n'avoir pas pu protéger de son vivant. Avec un sentiment de détermination, Roxane décida d'ouvrir une clinique de réadaptation pour les enfants en état végétatif, en hommage à Marguerite. L'idée était d'aider ces enfants à se rétablir, tout comme Matisse. L'ambiance de la clinique serait accueillante, pleine de couleurs et de vie, offrant un endroit sûr et plein d'espoir pour les enfants. Roxane imaginait des chambres remplies de jouets, des murs décorés de dessins d'enfants et des aires de jeu où les enfants pourraient jouer et récupérer. « Nous allons aider autant d'enfants que possible, au nom de Marguerite », déclara Roxane, sa voix empreinte de détermination. Elle parla à Étienne et Annette, qui acquiescèrent à l'idée, leurs yeux pétillants d'enthousiasme. L'ambiance environnante semblait vibrer de cette nouvelle espérance, avec le soleil brillant à travers les fenêtres et les oiseaux chantant joyeusement. « C'est une merveilleuse façon d'honorer l'héritage de Marguerite », dit Étienne, sa voix douce mais empreinte d'émotion. Il regarda Roxane avec gratitude, sachant qu'elle était déterminée à faire la différence. L'ambiance autour semblait refléter ses sentiments, avec l'air parfumé du doux parfum de fleurs fraîches et le doux bruissement des feuilles au vent. Roxane ressentit une vague de joie en voyant la clinique prendre forme. L'intérieur était joyeux et accueillant, avec des murs colorés et des meubles confortables. Les enfants qui arrivaient à la clinique étaient accueillis avec des sourires et de la tendresse, et l'ambiance était remplie d'amour et d'espoir. Roxane savait qu'elle avait trouvé sa vocation et ressentait une sensation de paix en sachant qu'elle faisait quelque chose de significatif. « C'est juste le début de quelque chose d'incroyable, » dit Roxane, sa voix empreinte d'enthousiasme. Elle regarda la clinique, voyant les enfants sourire et jouer, et ressentit une vague de bonheur en sachant qu'elle faisait la différence. L'ambiance environnante semblait briller de cette nouvelle espérance, avec le soleil brillant plus fort et l'air rempli de promesses. « Marguerite serait fière de nous, » dit Annette, sa voix douce mais empreinte d'émotion. Elle regarda autour d'elle,
voyant la joie et l'espoir remplir l'atmosphère, et ressentit une sensation d'accomplissement. L'ambiance environnante était emplie de beauté et de paix, et Roxane savait qu'il avait créé quelque chose de spécial. Alors que Mathis continuait à se rétablir, Roxane commença à réfléchir à Marguerite et à son héritage. Elle décida d'ouvrir une clinique de réadaptation en hommage à Marguerite, pour aider les enfants en état végétatif à se rétablir. « Nous allons aider autant d'enfants que possible, au nom de Marguerite », dit Roxane, déterminée. Avec le temps, la clinique de réadaptation de Roxane devint un succès, aidant de nombreux enfants à se rétablir. Mathis devint un jeune homme en bonne santé, et Étienne se consacra à aider Roxane dans sa mission. « Nous nous souviendrons toujours de Marguerite et de sa force », dit Étienne, regardant Roxane avec gratitude. « Oui, et nous continuerons à lutter pour le bien », répondit Roxane, souriante. Et ainsi, la maison Beauchamp devint un symbole d'espoir et de résilience, tandis que Roxane, Étienne et Mathis vécurent heureux, se souvenant toujours du sacrifice de Marguerite. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce levé, activez la cloche et regardez cette prochaine vidéo très émouvante.